Salut, c'est Rosalice. Aujourd'hui, on est à Tokyo Dome City. C'est Kakudakara. Puisqu'on est là, autant faire une vidéo de promenade à Tokyo Dome City. C'est parti! Donc ici, c'est une des attractions. Les tickets pour les différentes attractions qui sont disséminées partout ici. Le Moomin Café. Ah, mais j'oubliais de vous montrer en fait. Donc ici, c'est tout l'espace extérieur. Et ici, c'est un shopping mall et aussi un spa. C'est immense. Et donc, on va vers la partie qui est davantage attraction. Ici, il y a un stage. Et ici, des fontaines avec la nuit, des spectacles, illumination et jet d'eau. Ah bon? Ça doit être bon. Tsukemen. 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 On devrait aller au Tsukemen. Oui. Ensuite, ça passe par là pour arriver ici. Allez, on continue. C'est marrant, ça s'appelle Sanda Dolphin. Je savais même pas comment s'appelait ce roller coaster. La semaine prochaine, ouais. On reviendra la semaine prochaine. Je crois que c'est 25 ans. Non, pardon, c'est 25 ans. Et voilà l'espace attraction Tokyo Dome Attraction. Sur les parcs d'attractions. Ouais. C'est dans les ninjas qu'il y en avait une. Ninja ou Tokyo, ça. On voit mieux le Big O d'ici. Ah oui, au fait, juste là, en fait, le gros dôme qu'on voit, c'est Tokyo Dome. Donc c'est là qu'il y a énormément d'événements, notamment du baseball. Surtout du baseball.
marque là-dedans. Mais c'est encore des ninjas. Allez, vas-y, Morgane. Il faut mettre ta tête plus au centre. C'est trop petit? Ouais, parce qu'en fait, il y a des escaliers qui sont faits pour. C'est pour les enfants. Oui. Non, c'est juste aussi mince, on dit ninja, ça. Jump shop. Allez, c'est parti. C'est vrai, il a été complètement rénové. Avant, ça faisait qu'un tout petit espace et là, c'était un food show. Et maintenant, ça prend... C'est un bel espace. Waouh. Allons-y. Tout l'espace One Piece. Ah, c'est trop bien. Le corner gâteau. D'achat. Ah bah voilà la poubelle. Il y a une queue.
queue de malade là. Oh là là, mais alors, ça va jusqu'où? Je ne vois pas le bout. Bon bah, il y a une grande queue pour quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'autre bout de la queue ici? Alors du coup, c'est pour rentrer dans ce Festa Café? C'est ça? Je sais pas pourquoi. Pour rentrer dans le hall, je pense. Le Festa Café est fermé. Ah! Donc il doit y avoir un spectacle dans le hall. Oh, quelle patience ces japonais. Et donc c'est vrai, Prism Stone. C'est vrai, c'est une belle boutique. On rentre ? On va prendre par les escaliers. Voilà, ici on voit davantage le Tokyo Dome. Bon, c'est un énorme stade. C'est joli d'ici aussi. C'est par là-bas qu'il y a un musée des sciences et aussi le batting center. Voilà, thank you. Trop bien là-bas. Faudra qu'on y retourne. Ouais. C'est bon, voilà. Ouais, c'est vraiment super. Ouais, c'est génial. Oh, regarde. Oh, on le voit. C'est vraiment très très haut. Tranquillement sa révolution. Et nous, on va continuer la balade. En fait, on passe sous la roue. Là, alors que à la saison des illuminations vers Noël et le Nouvel An, c'est juste hyper magnifique. Un petit spectacle de jet d'eau, ah, c'est rigolo avec la musique. C'est vraiment un endroit super. Peut-être que je coupe là.
solde sur les fraises, sur les amao et les San Fuji. Oh, super solde. Le fournisseur sur la... Ouais. Tanabe. Magnifique banane. C'est un fruit spécifique aussi. Des copeaux. On dirait des oranges. C'est différent.